Salut à toutes et à tous, c'est MrPayen41. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo tuto. Alors, ça va être comment télécharger un film gratuitement. Donc, pour cela, on va se rendre sur Internet. On va sur la barre d'herche. Ok, ça, voilà. Et on marque zone. Téléchargement. Là, téléchargement, zone téléchargement. Et ça va être le premier. Zone téléchargement, site de téléchargement gratuit. Ok, on va appuyer dessus. Ça dépend. Voilà. Et je voulais vous dire, ça marche pour tout. Enfin, sur, je veux dire, sur PC, tablette. Et téléphone. Donc par exemple là bah les films, dernier film ajouté, dernier Blu-ray, des Blu-ray, tout, des séries, des jeux vidéo aussi, c'est des mangas, des musiques, et c'est des jeux de PC, Xbox, PS3, Nintendo DS, Wii, PSP, PS2, jeu Mac, enfin voilà quoi, série VF, après il y a film, Blu-ray, souvent, plein de trucs. Donc là, si vous voulez, il y a une barre de recherche. Donc vous marquez le film que vous recherchez. Donc moi, par exemple, je vais mettre Fast and Furious 7. Donc c'est là. Donc si je le veux, si je le veux en Blu-ray, ça dépend. Il y a Blu-ray là et là il y a comme ça. Donc soit en Blu-ray ou soit comme ça. Donc moi je vais prendre comme ça. Hein. Donc après je mets suite et télécharger. Voilà. Ça charge. Donc là, je descends. Et moi, je télécharge souvent sur Uptobox. Mince. Oui, sur Uptobox ou un fichier. Donc là, je vais faire Uptobox. Je montrerai sur un fichier tout à l'heure. Peut-être. Là, je vais sur Uptobox. Là, ça va mettre... Courseur. Donc des fois ça ne mettra pas ça, une pub, des fois ça ne mettra pas ça, ça mettra directement appuyer sur truc. Donc là ça me dit. Donc bah je vais marquer ce qui est écrit. Quoi, c'est quoi ça, c'est quoi? Ah, un J et un C, je pense que c'est ça, hein. Ce n'est pas ça. Voilà. Bon. Faire celui-là. Z. K. Donc voilà. Donc là, après, ça va mettre ça. Des fois, ça ne mettra pas ça. Ça ne mettra pas le truc à écrire. Ça mettra ça directement, des fois. Là, vous appuyez sur le truc. Des fois, il y en aura plusieurs. Mais après, bah, ça dépend. Là, vous allez mettre... générer le lien, après vous pouvez le regarder en streaming. Donc là vous allez mettre générer le lien. Après ça va être cliquer pour lancer votre téléchargement. Donc je l'ai déjà, donc je vais pas le faire. Mais bon, c'était pour vous montrer. Donc après je vais vous montrer la manière un fichier. Donc voilà, et là je vais marquer... un fichier. Excusez-moi. Ah oui, ça va mettre ça normalement. Vous voyez? Donc là, c'est sur un fichier. Et là, vous mettez télécharger. On va le mettre du coup. Donc, oula. Voilà. Donc là, un fichier, vous mettez directement télécharger.
Je vais pas le faire. Mais bon. Une fois que c'est fait, il va s'échanger en dessous, il y aura un temps. Enfin, donc après, vous irez sur le site, enfin, sur l'application que vous avez pour lire les films. Donc moi, c'est VLC. Donc là, je quitte le navigateur. Ah oui, je l'ai désinstallé pour je ne sais plus quoi, parce que le son ne marchait plus. Donc, c'était VLC. Je le réinstallerai. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Et donc merci de l'avoir regardé. Hein. Et abonnez-vous. Et voilà. Merci.